Vous êtes politologue, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche internationale à Paris. Vous avez écrit votre thèse à l'EHESS euh, sur le thème du droit en contexte de guerre en Afghanistan et avez depuis été affilié à plusieurs instituts, notamment à l'Université de Yale et à l'Institut für die Wissenschaft und Information à Vienne. Vous vous êtes intéressé aux cas de conflits armés, notamment en Syrie, au Mali et en Afghanistan. Vous êtes auteur. De l'ouvrage La guerre par le droit, Les tribunaux talibans en Afghanistan, paru en 2021 aux éditions CNRS, qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui. Euh, Adam Bachkou, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Euh, donc, pour commencer avec votre ouvrage, dans votre, dans votre dernier ouvrage, vous avez mené des recherches sur la situation politique en Afghanistan entre 2001 et 2018. Vous, vous analysez le droit comme un élément structurant à multiples niveaux de la vie euh, d'Afghans et d'Afghanes en temps de guerre comme en temps de paix, et vous comparez et contrastez ainsi les procédures juridiques post-2001 menées d'une part par le régime à Kaboul et d'une autre part par les talibans, euh, et ainsi vous entrez dans la structure et la pratique des tribunaux talibans pour montrer comment leur utilisation euh, stratégique du droit avec des mécanismes internes propres à eux euh, a pu leur servir des fins politiques et des fins guerrières. Votre ouvrage nous permet ainsi, entre autres, de mieux comprendre la situation euh, actuelle suite à la prise de pouvoir euh, des talibans. Donc pour commencer, dans le cadre spécifique de l'Afghanistan, quel est l'avantage d'analyser euh, la relation régime-intervention internationale et talibans à travers le prisme du droit Elle offre quelque chose qu'on ne peut pas voir euh, dans le reste de la société. C'est-à-dire que si on prend le droit comme point d'entrée, euh, on a la possibilité de, de, de rendre compte d'une dimension de la guerre qui est souvent trop négligée, euh, à la fois dans ce que la guerre provoque euh, dans la vie quotidienne, dans la vie sociale des gens. Hein. En Afghanistan, comme dans tous les conflits armés que j'ai pu observer, euh, la guerre n'est pas un moment où les gens vont arrêter, par exemple, de se préoccuper. Euh, euh, d'un conflit d'héritage, d'un conflit foncier. Ce n'est pas un moment où les gens ne vont pas euh, vont cesser de, 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 de se battre pour euh, 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 obtenir un divorce euh, ou pour au contraire euh, euh, obtenir satisfaction dans un conflit commercial. Enfin, c est, c est, prendre le droit comme, comme, comme point d'entrée, euh, c'est se donner la possibilité de regarder les, les, les questions sociales euh, qui préoccupent les gens au quotidien en même temps que cela permet de penser la manière dont les belligérants, euh, essayent de, 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 de construire un ordre social, euh, la manière dont ils vont s'efforcer de gouverner, euh, la manière dont ils vont s'efforcer de mettre en place des institutions et le projet social qu'ils vont faire passer par ces institutions. Et euh, comment ce prisme du droit permet-il de sortir d'une dichotomie qu'on retrouve trop souvent euh, dans les médias et même dans les travaux académiques entre euh, tr euh, régime à Kaboul et euh, taliban euh, la meilleure manière de vous répondre, quelque part, c'est de parler des gens qui m'ont amené à, à prendre cet objet comme point de départ. J'ouvre le livre avec l'un d'entre eux. C'est quelqu'un qui, qui est réfugié dans la ville de Kandahar, qui y vit parce qu'il a dû fuir son village, parce que l'insurrection talibane, à la manière de, de la plupart des insurrections, commençait par s'emparer de, des villages les plus isolés, dans les montagnes, dans les endroits les, les plus difficiles d'accès. Et progressivement, il s'emparait de zones de plus en plus proches des villes. Et dans les endroits dont ils prenaient le contrôle, moi j'arrive en Afghanistan en 2010, donc dans un moment où l'insurrection talibane contrôle maintenant une part très importante des campagnes, euh, et dans la manière dont ils s'emparent des, 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 des villages, il, le premier acte qu'ils font de manière assez classique, c'est de menacer de mort ou de tuer directement tous les fonctionnaires du régime. Ou tous les relais du gouvernement. Et lui euh, est, un, est une personne, euh, je, je le rencontre dans la ville de Kandahar, dans le sud du pays, hein, une province qui est un peu symbolique parce que euh, c'est là que s'est formé l'État à partir euh, du, du, du 18e siècle. La famille royale est originaire de Kandahar et surtout les talibans eux-mêmes naissent à Kandahar en 1994. Hein, c'est une province qui a cristallisé toute une série de développements politiques euh, dans l'histoire du pays. Et ce notable euh, euh, qui, euh, euh, que je rencontre est une personne qui a dû fuir son village à une quarantaine de kilomètres de la ville de Kandahar parce que justement les talibans lui ont donné ce choix. Euh assez simple de, de, de partir ou de mourir. Hein, donc, il est, il est réfugié dans, dans, dans la ville de Kandahar. Il exprime euh, toute la détestation qu'il a pour les talibans. Et à la fin de l'entretien, dans un moment euh, au contraire où, où l'entretien était censé être fini, je lui pose une question que j'avais commencé à poser de manière assez récurrente une fois que j'avais découvert l'existence de ces tribunaux talibans si lui avait eu affaire aux juges talibans. Et à mon gré, grand étonnement, il me répond Ah oui, les juges talibans sont très bien. Ils sont mieux que les juges du régime. Et quelque part, c'est cette personne qui m'a permis de, de, de mesurer l'importance de, de ce qui se joue en Afghanistan, parce qu'en étant un opposant politique aux talibans, et il me disait avec un peu d'ironie, comme, comme beaucoup d'Afghans le, le disaient quand ils voulaient critiquer les talibans, que les talibans, sont pas des vrais, que les talibans ne sont pas des talibans, en jouant sur l'étymologie du, du nom du mouvement, pour dire que les talibans, ce qui veut dire en perçant les étudiants en madrasa, les, les séminaristes, les, les étudiants en religion, ne, sont pas, ne connaissent pas l'islam, ce sont des ignares. Euh, 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 et bien, cette même personne d'un seul coup se met à m'expliquer comment euh, euh, son voisin a, a souhaité s'emparer de sa parcelle, profitant de meilleures relations avec les talibans, euh, et comment lui se retrouve convoqué au tribunal taliban. Il m'explique qu'il n'a pas été inquiet de se rendre en zone taliban lui qui est menacé de mort parce qu'il euh, il passe les checkpoints sans difficulté avec la convocation auprès du juge. Il me raconte une audience contradictoire entre ses témoins, les témoins de l'autre partie, euh, les documents et un juge qui, qui, qui décide en sa faveur et il réitère le fait que les juges talibans sont impartiaux euh, et qu'ils euh, qu jugent beaucoup mieux que les, les juges du, du, du régime. Euh, en prenant les tribunaux talibans, quelque part, on se retrouve à suivre euh, à la fois euh, ce qui a été la polarisation de, 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 de cette guerre, hein, le développement de deux projets politiques complètement différents l'un de l'autre. Et en même temps, toutes les ma manières dont elles se sont intriquées, euh, ça pose plein de problèmes euh, de, de penser deux systèmes judiciaires en concurrence. Euh, quelle valeur a euh, la décision prise par un tribunal euh, du régime auprès d'un tribunal taliban Et inversement, quelle valeur a un document euh, une sentence d'un tribunal taliban auprès d'un juge du régime. Est-ce que euh, quelqu'un qui a été voir un juge du régime peut ensuite faire appel à, à un juge taliban Et ce qu'on voit, c'est la manière dont ces systèmes judiciaires fonctionnent à la fois en concurrence, une lutte à mort, une lutte inexpiable. Hein. Un seul d'entre eux, quelque part, peut être l'État, peut incarner l'État. Et tout, 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 tout en deçà de la guerre, il y a eu cette dynamique de concurrence entre le, le système judiciaire taliban et, et le système judiciaire du régime et tous les acteurs autour, l'armée américaine, euh, des gens qui s'impliquaient dans les questions et qui essayaient de résoudre les problèmes, qui profitaient du fait d'avoir des hommes armés, des Afghans euh, qui euh, étaient des sortes de, de potentats, de chefs de guerre qui, qui tentaient de résoudre les problèmes des gens et en même temps la manière dont ces différentes questions s'intriguent au quotidien pour des gens qui vont peut-être essayer d'avoir recours à, à, à plusieurs de ces, de ces juridictions. Ce qui vous dit aussi quelque chose d'assez important pour comprendre l'expérience le, le, d'un conflit armé comme l'Afghanistan, c'est l'incertitude juridique radicale qu'elle provoque. Hein, euh, vivre en Afghanistan dans les années 2000 ou 2010, euh, c'est vivre dans un moment où, où, où des décisions contradictoires ont déjà été prises avant même euh, l'intervention de 2001, parce qu'il y a déjà eu une succession d'autorités, le régime communiste, les mujahideens, différents partis de mujahideens, les talibans des années 90, mais aussi différentes autorités dont, dont la valeur des décisions elle-même est en question. Elle est elle-même un enjeu de l'affrontement et de la guerre. Comment concilier les différents registres sur lesquels opèrent les talibans euh, pour mieux comprendre leurs enjeux, euh, comment ce mouvement s'articule-t-il sur le plan régional, le plan national, international, euh, et comment ceci se reflète-t-il dans les pratiques euh, du droit dans cette période 2001 à, à, à 2018 en, en fait, les talibans vont se retrouver pris dans, dans une série de jeux de contraintes et d'opportunités euh, dans lesquels ils vont développer leur, leur système judiciaire. Euh, Il le développe de manière assez pragmatique euh, en réponse à, à, aux demandes sociales euh, qu'il rencontre. Hein, euh, le fait que euh, des gens arrivent avec des conflits fonciers et, et comme ils sont l'autorité en place, bah, on, 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 on fait appel à eux pour résoudre des problèmes, mais aussi en, en raison de qui ils sont. Hein. Et les talibans sont fondamentalement à la fois un mouvement très nationaliste euh, composé, euh, composé d'Afghans qui se regardent, euh, euh, à, notamment à partir de. Il y a, y a un moment où les talibans doutent beaucoup de leur possibilité de reprendre le pouvoir, donc en 2020, Mela Omar envoie une lettre de reddition à l'ambassade américaine en, échant, en demandant simplement l'amnestie, le fait que les, les anciens combattants du mouvement ne soient pas envoyés à Guantanamo ou dans les prisons secrètes de la CIA, ce que les États-Unis refusent. Mais à partir de 2003, 2004-2005, les talibans, quand ils commencent à reprendre la main, progressivement abandonnent toute stratégie de négociation pour se présenter dans leur propre discours hein, comme un État en exil, euh, injustement chassé du pouvoir par une invasion étrangère et qui donc est l'État légitime, l'État qui doit être internationalement reconnu, euh, et en même temps qui est l'autorité qui doit réguler les questions sociales localement. Et donc on se retrouve avec une, un mouvement taliban hein, euh, qui doit articuler des problèmes locaux de gens qui présentent un conflit foncier, un conflit matrimonial, et en même temps qui est très avide euh, de, se, de se présenter, d'incarner l'autorité à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Alors ça va se jouer sur des, 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 des séries de, de niveaux. Le premier, c'est de définir qu'est-ce que le droit que les talibans appliquent. Et là, les talibans sont le, 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 le reflet euh, de leur sociologie. Hein. Si on veut comprendre comment les talibans jugent, il faut comprendre euh, qui ils sont en tant que, que, que mouvement social. Euh, et les talibans sont en fait euh, les diplômés des écoles religieuses du nord du Pakistan, euh, euh, de ce réseau d'écoles autour de, de notamment de la plus célèbre, Darul Ulum Haqqaniya, euh, qui forme euh, des diplômés en théologie ou en droit islamique. Euh, euh, des gens donc qui se regardent euh, comme des théologiens ou des, des juges islamiques et qui sont reconnus dans une grande partie des campagnes comme des gens qui ont un diplôme qui leur permet une, qui leur donne une certaine légitimité à appliquer le droit islamique c'est donc un mouvement qui va euh, euh, revendiquer que ces juges euh, euh, vont en tant que membres d'une institution appliquer le droit islamique et non pas la, euh, des coutumes tribales euh, non pas le Pashtun Wali, non pas il euh, y, y a des instructions très claires de, de Mola Omar de ne pas écouter les, les, les usages tribaux. Et en même temps, moi quand je fais les entretiens avec les juges, euh, sur certaines questions qui sont au contraire des espaces de très grande tension, par exemple euh, la question de l'héritage euh, 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 de la propriété des femmes et notamment de, de l'accès des femmes à la propriété par l'héritage, la jurisprudence anafite qu'utilisent les talibans est, est à cet égard-là assez claire. Hein, les, les femmes ont le droit à une demi-part d'héritage, donc déjà un, un système assez... Inégalitaire. Les, 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 les descendants hommes ont droit à une part, les descendants femmes à une demi-part. Mais en pratique, dans les campagnes afghanes, très souvent, euh, les frères trouvent des modalités pour euh, spolier euh, leurs sœurs euh, et, et empêcher que euh, euh, cette demi-part d'héritage euh, soit possible dans, dans, dans la coutume tribale comme euh, dans le droit islamique. Euh, or, euh, les, les mêmes juges qui m'expliquaient ne jamais faire appel à la coutume tribale, euh, l'un d'entre eux m'expliquera, ah oui, mais il faut faire attention aux usages. Et, et c'est compliqué d'obliger euh, les gens à donner une part d'héritage euh, aux femmes. Et donc là, on voit très bien, hein, comme toujours, hein, à quel point euh, 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 le passe-droit est révélateur ici hein, de la dimension très patriarcale du système judiciaire. De l'autre côté, ce droit islamique, bah, il va, va s'inscrire dans une adaptation de la part du mouvement taliban. Euh, aux normes internationales, euh, les talibans ont appris de leur défaite euh, euh, en 2001 euh, qu'ils ne peuvent pas euh, construire leur, leur autorité et leur administration en se passant complètement euh, des normes internationales qui sous-tendent une reconnaissance euh, dont ils étaient déjà, euh, auxquelles ils aspiraient très fort déjà à la fin des années 90, euh, mais auxquelles ils continuent d'aspirer dans les années 2000. Ils mettent en, en place toute une série d'actes de mise en scène pour essayer de se présenter comme l'État légitime en 2005 sur un site internet. Ils publient les travaux de la commission qui était sans, censée réécrire la Constitution dans les années 90, un document de 23 pages dont la valeur légale est absolument incertaine dès lors qu'ils sont simplement une, euh, une insurrection euh, réfugiée dans le sanctuaire pakistanais, leur permettre de se présenter comme l'État légitime. Et on va voir à ce moment-là, progressivement, à partir de la, du milieu des années 2000 et surtout de la fin des années 2000, tout un travail d'adaptation. C'est particulièrement visible, par exemple, dans le code de conduite militaire euh, que le mouvement fait. La première version de 2006 est une version euh, particulièrement en, en rupture avec le droit international humanitaire, le, le droit des conflits armés, euh, où les écoles, par exemple, et les cliniques sont déclarées comme des cibles légitimes car ils sont des avant-postes de l'occupation occidentale. Quelques années plus tard, en 2009, euh, la deuxième version du code de conduite. Elle utilise le langage des conventions de Genève, sans jamais les citer, mais qui montre bien une adaptation au droit international en disant euh, les combattants talibans euh, doivent faire attention à ne pas euh, atteindre de cibles civiles. Les écoles et les cliniques sont des cibles civiles. Tout un langage issu des conventions de Genève euh, qui montre bien un travail d'adaptation de la part du régime, euh, de la part de, de l'insurrection, pardon, euh, et qu'on voit très bien aussi. J'ai fait des entretiens avec des gens des Nations Unies, euh, notamment du département des, 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 des droits de l'homme des Nations Unies, qui, qui disaient à quel point ils avaient un engagement de leur point de vue, hein, productif avec les talibans, euh, avec toute une série de discussions sur... Euh, 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 Comment euh, euh, réduire euh, les pertes civiles Ils avaient la même discussion évidemment avec l'armée américaine et le régime, hein. euh, mais avec les talibans, ils, ils se retrouvaient avec un mouvement, et, et la, 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 la directrice hein, du bureau des droits de l'homme des Nations Unies en Afghanistan disait à quel point elle, elle avait été étonnée de découvrir des, 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 des chefs talibans, des dirigeants talibans, euh, qui étaient euh, très intéressés par les modalités qui leur permettraient de se conformer, euh, euh, au droit international avec d'ailleurs à certains moments euh, euh, des espaces où ils, ils, ils étaient en, en, en discussion mais aussi en, en, en rejet de certaines impositions. Hein. Elle me racontait un exemple fascinant où, où, elle, elle, où les talibans refusaient que les en droit international militaire, le, le policier est une cible civile euh, jusqu'à euh, qu'il participe à des opérations militaires. Et les talibans euh, refusaient cette distinction en disant que les policiers, la police en, en Afghanistan est une, est une force armée, ce qui est en partie vrai. Euh, et elle me le disait elle-même en disant le, le problème, c'est qu'effectivement, la, la police est, est, est effectivement un supplétif militaire dans la lutte. Elle n'est pas qu'une police civile. Et donc progressivement, hein, moi, je fais l'entretien en 2011 ou 2012, je ne sais plus, euh, des talibans qui avaient fini par y compris comprendre certaines nuances du droit international dans les discussions. Et donc, un, 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 des talibans qui se, se retrouvaient à la fois dans des contradictions entre droit local et droit national, et à la fois dans les contradictions entre ben, le droit islamique qu'ils espéraient poser comme le droit national et le droit international. Donc, euh, pour regarder euh, les liens entre les formes coutumières de résolution de conflits et ces dynamiques globales, euh, surtout ce euh, qui se caractérise par euh, des logiques néolibérales, donc avec cette intervention occidentale dès les années 2000. Donc, euh, donc, vous montrez euh, qu'il y a une émergence, ou plutôt une rémergence des formes coutumières de résolution de conflits euh, dans la première décennie des années 2000, qui va en fait de pair avec un soutien des, des organisations euh, et des opérateurs transnationaux occidentaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette imbrication en fait, entre tradition et, euh, et logique globale D'ailleurs, que dans votre livre vous caractérisez de réinvention de la tradition oui. Euh, L'argument que je fais quelque part, hein, qui traverse ce livre, c'est que le succès des, des tribunaux talibans, il est fondamentalement le, le reflet de l'échec de, de l'intervention et de l'échec du régime. Euh, et, et, et à l'intérieur de l'intervention occidentale, de, de son côté très disparate, des différents qui est fait de différents bailleurs, de, de différentes forces armées, de différentes institutions. Et dans un régime qui lui-même, mis en place à Kaboul à partir de 2002, est plein de divisions, plein de débats, l'un des débats structurels qui va se jouer va être faut-il investir dans une justice formelle ou une justice informelle. Euh, est ce que l'afghanistan est un pays où il faut construire de l'état dans une logique d'ingénierie institutionnelle ou au contraire s'adapter à une soi disant réalité locale qui s'inscrit en fait dans une vision assez orientaliste du pays? Euh, qui est assez récurrente d'ailleurs euh, dans, les, dans les zones de conflit. Il y avait cette idée, euh, l'Afghanistan a, a toujours drainé nos fantasmes occidentaux euh, euh, des, des papiers coloniaux britanniques euh, jusqu'au cavalier de Kessel, de cette image du royaume de l'insolence, du cimetière des empires, euh, des termes très élégants qui, qui cherchent à, à suggérer l'idée que l'Afghanistan est un pays sans État, euh, un pays d'une population qui serait fondamentalement attachée à des normes locales, à des normes tribales, coutumières, euh, qui serait réticente. À l'État qui n'aurait pas connu l'État. C'est une caractérisation qui est profondément fausse. Il y a une histoire de la formation de l'État en Afghanistan depuis le XVIIIe siècle, avec vraiment à partir du, de, de la fin du XIXe un arsenal institutionnel. Il y a toute une génération aujourd'hui d'historiens, euh, d'ailleurs en général des historiens afghans, hein, qui, qui ont bien montré euh, comment, de la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle, il y a une production étatique. Euh, juridique, hein, le développement d'une constitution à partir de 1923, euh, euh, reprise en, euh, euh, enfin une, une nouvelle constitution en 64, euh, le développement d'un code pénal, d'un code de procédure pénale, d'un code civil, d'un code commercial, enfin toute une architecture institutionnelle hein, euh, dont L'intervention occidentale, c'est laver les mains, hein, euh, produisant de manière ad hoc des institutions complètement décalées euh, des, des normes du droit auxquelles les juristes afghans étaient familiers. Euh, et cette justice qui dans, est à la fois négligée, à la fois maltraitée quelque part par les différents acteurs de l'intervention, euh, elle, va, elle va être accusée à partir de, de, de 2008. D'être responsable de, de, la, de la progression des talibans. Du fait, il y, y, y a un rapport qui, qui fait date dans la guerre, écrit par une, une personne euh, qui est le général Stan, Stanley McChrystal, qui est censé prendre en, en charge la contre-insurrection, euh, qui fait un rapport initial avant sa prise de, de poste, dans lequel il dit euh, Les talibans ne sont pas en train de gagner par les armes, ils sont en train de gagner par leur, leur meilleur gouvernement. Euh, et il prend à ce moment-là l'exemple des tribunaux en disant Les tribunaux talibans sont en train de, 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 de permettre une meilleure. Euh, l'imposition des talibans sur le territoire. Et tout ça, c'est la faute du gouvernement, évidemment. Ce n'est pas la faute euh, de la manière dont l'intervention se passe. Euh, euh, et ça, commence déjà une, ça, ça rentre dans un débat qui, qui avait commencé dès 2002. Entre certains acteurs de l'intervention et, et certains entrepreneurs de cause afghans qui défendaient l'idée qu'il fallait construire un État fondamentalement décentralisé, fondamentalement local, euh, et en particulier une justice, avec ses, 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 notamment un, un rapport important d'un de ces entrepreneurs de cause qui est Ali Wardak, un universitaire britannico-afghan, euh, qui écrit très tôt dès 2002 que l'Afghanistan est un pays de coutumes, de tribus, qui, qui ne peut pas fonctionner sur une logique étatique euh, et qui va rencontrer des organisations. Internationales comme USIP, euh, l'Institut de, de, de United States Institute for Peace, qui est une, 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 un centre de recherche du département d'État américain, euh, une ONG euh, qui est The Liaison Office, euh, qui au départ s'appelait The Tribal Liaison Office, qui était une ONG chargée justement de, de, de soutenir la, la construction d'institutions tribales et qui, dans ce travail de, de produire euh, une sorte de coutume. Euh, euh, va rencontrer euh, euh, une résistance très forte. Alors déjà chez les juristes afghans qui disent bah, pas du tout, on a un code pénal, un code de procédure pénale, euh, euh, le droit qui s'est appliqué dans les années 70 c'était un droit étatique. Il euh, euh, y a une exagération, il y a un fantasme autour de cette idée des, des conseils euh, 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 de conseils euh, tribaux ou coutumiers qui régleraient les problèmes. Avec évidemment, effectivement, hein, moi je l'ai beaucoup vu chez les occidentaux, une, une fascination, les occidentaux adoraient dire les mots de, de shura et jirga. Euh, euh, alors même qu'ils parlaient ni persan ni pashtun euh, ce qui veut simplement dire un, conseil, hein. euh, euh, un usage qu'on qu retrouvait aussi par exemple dans la formation de milices où les gens adoraient utiliser les termes persans ou pashtoun pour Il y avait une dimension très orientaliste de, de ces mots qui euh, drainait tout un imaginaire de gens assis en tailleur euh, euh, sous l'ombre de quelques arbres. Euh, et c'est à partir de ce rapport initial de 2008 que d'un seul coup, ce qui était un débat, oui, parce que l'autre résistance, elle venait des militantes féministes hein, qui avaient très peur parce que les normes coutumières sont, en, sont, sont beaucoup plus biaisées euh, euh, à l'encontre des femmes que le droit étatique et même que le droit islamique. C'est des normes qui sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus, beaucoup plus en faveur des hommes que des femmes. Et donc il y avait une réticence évidemment très forte des militantes féministes qui avaient très peur. Je vous parlais de la question de la propriété féminine, par exemple. Les conseils coutumiers à cet égard, qui ont été inventés tout au long des années 2000, effectivement avaient tendance à, à, à produire ces normes-là. Et donc à partir de 2008, d'un seul coup, il y a un changement de paradigme. L'armée américaine s'implique fortement dans, dans, dans les questions judiciaires elle décide qu'il faut à tout prix créer ses conseils judiciaires. Et là, il y a un investissement de masse, on se retrouve avec des sommes d'argent faramineuses, mais des sommes d'argent qui, qui n'arrivent pas à... Comment vous financez des conseils tribaux dans le fin fond des villages ben Évidemment, pas... vous n'envoyez pas de l'argent euh, directement, qu'est-ce qui se passe Il se passe ce qui se passe toujours dans le monde du développement, appel d'offres. Euh, une entreprise occidentale basée à Washington, uh, Checky Company, euh, reçoit, euh, eux qui avaient déjà une expérience dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans la construction du système judiciaire afghan avec les effets catastrophiques euh, euh, que, pourtant, euh, dont, dont, pour, que pourtant décrivait assez bien le, le rapport initial de, du, de, de eh bien reçoivent euh, euh, la, 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 la tâche désormais de, de faire à la fois la justice formelle et la justice informelle. Comme ça on décide pas, on fait les deux, on donne de l'argent aux deux. Et on se retrouve avec toute une série de programmes, un peu partout, qui, qui éclosent, on, on invente de partout des conseils, euh, vous aviez des choura et des Jirga qui étaient mises en place euh, par les forces spéciales américaines, euh, par l'armée britannique, par l'armée américaine, euh, les unités civiles et militaires de l'armée américaine elles-mêmes construisaient aussi leurs propres choura et Jirga, euh, le gouvernement s'y mis, les gouvernorats créaient les leurs, des ONG inventaient des choura et des Jirga, et vous aviez d'un seul coup euh, toute une série de choses avec toute une série de rapports qui arrêtaient pas de, de rapporter ces mêmes chiffres. 80 des conflits sont résolus par les conseils tribaux 95-99 chiffres qui ont ceci d'intéressant qu'une anthropologue américaine dans les années 90 avait déjà rapporté leur, la circulation de ces chiffres à hein, Laura Nader hein, où elle parlait de cette de cette apparition de cette circulation euh, des, 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 des des, des, des dispositifs de médiation qui sont inventés en fait aux États-Unis. Cette, cette promotion de la justice informelle en Afghanistan, elle n'est pas une prise en compte du local, elle est en fait euh, l'application quasiment telle qu'elle euh, de schémas qui ont circulé tout au long des années 90 et 2000, venus. Euh, euh, des années 80, où aux États-Unis, dans un contexte où on avait à la fois de plus en plus de demandes au système judiciaire, une société qui se judiciarise comme partout, et en même temps une réduction des budgets sur Reagan, eh bien, on a essayé de sortir des affaires des tribunaux, on a inventé des, des, des conseils de médiation comme en France, qui servaient justement à ré résoudre les affaires avant qu'elles arrivent devant le juge. Et ces, tribunaux, ces, ces avocats de droit privé qui sont devenus très, très, très impliqués dans ce mouvement-là, eh ils ont vécu toute une circulation à travers la Banque mondiale ensuite et à travers euh, de pays en pays où à chaque fois euh, on réinventait une justice locale. Hein, le phénomène n'est pas propre à l'Afghanistan. On, on fait des réunions int interfractions euh, au, au, au Mali. Euh, on retrouve en Tanzanie euh, des rapports qui disent que 80, 95 ou 99% des conflits sont résolus euh, par euh, des instances locales et que la justice locale résout beaucoup plus d'affaires euh, que la justice étatique. Avec évidemment... Euh, euh, le fait que... C'est des choses qu'on ne peut pas savoir, parce que comment vous, vous mesurez le vrai nombre de disputes dans une société hein Comment vous arrivez à ce chiffre de 99 C'est un artefact a euh, posteriori. Euh, Est-ce qu'un les... un mari qui frappe sa femme euh, et un désaccord conjugal euh, aussi violent soit-il est un conflit, une dispute ou pas Qu'est-ce qui fait qu'on va considérer que des disputes sont des vraies disputes et sont euh, résolues en interne par des gens de la famille vous, vous pouvez de la même manière dire qu'en Suisse, en France, aux États-Unis, 80, 95 ou 99% des, des problèmes sociaux sont résolus en famille, parmi les amis. Le problème de, de ce chiffre est que ce chiffre est en fait un artefact de justification institutionnelle qui sert à promouvoir une circulation euh, de dispositifs qui ne sont pas une prise en compte du local, mais bien en fait des programmes internationaux qui se font au dépens euh, des problèmes que les gens rencontrent dans la vie quotidienne. Et dans le paysage afghan euh, qui est euh, multiethnique, euh, multilinguistique multireligieux euh, comment est-ce que les talibans et les, les tribunaux talibans en fait articulent la question ethnique euh, pour fonctionner les tribunaux talibans, quelque part, y rentrent euh, dans une des revendications euh, que le mouvement taliban fait euh, depuis des années euh, et dans les difficultés qu'il a à le substantiver par rapport à ses pratiques. Hein, les talibans, d'une manière qui est assez classique dans les acteurs politiques afghans, la monarchie avait à peu près le même argument, euh, euh, expriment le fait qu'ils euh, euh, sont un mouvement nationaliste euh, qui défend une vision étatique euh, euh, ouverte à tous les Afghans, hein, que euh, tous les Afghans seraient. Euh, 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 égaux, quelque part, alors même que le mouvement, euh, et notamment sa direction, euh, favorise de manière patente, flagrante, euh, euh, les Pashtuns, euh, qui représentent, on n'a pas de chiffres, il hein, n'y euh, a pas de recensement en Afghanistan depuis 1974, la guerre a commencé au milieu du recensement suivant, euh, donc les chiffres actuels sont absolument inconnus. En plus, L'ethnicité en Afghanistan, hein, Pierre Sans livre l'avait bien montré déjà dans les années 80, euh, 70 même, est hein, euh, tout, tout à fait mouvante. Hein. Des gens vont se décrire selon les situations comme Tadjik, et dans d'autres situations, les Hazaras sunnites de Kunduz sont devenus tajiks. Il y a toute, une, série, il y a toute une, une porosité, une fluidité des jeux autour de l'ethnicité. Mais si, on, si, si, si simplement pour la, pour la commodité, on, on essaye de mesurer euh, la part que représentent les Pashtuns dans la société afghane, on ne sait pas, peut-être 30, peut-être 35, 40%, c'est à tout le moins, c'est le groupe le plus nombreux, mais, mais qui n'est pas majoritaire. Hein. Or, dans le leadership taliban, ils ont toujours été une écrasante majorité des positions. Hein. Le leadership est, est de manière toujours, à, il y a toujours quelques Turkmènes, quelques Ouzbeks, quelques Tadjiks, mais euh, de manière assez générale, c'est mouvement largement dominé par les Pashtuns. Hein. Euh, le Conseil de Commandement, l'organe suprême des talibans en 2016, sur 12 membres, comptait 9 Pashtuns, hein, donc 75 de Pashtuns euh, dans, dans un pays qui, qui compte. Je vous disais un gros tiers, disons, de, de Pashtuns. Euh, c'est encore plus visible dans le gouvernement qu'ils ont mis en place à partir de, de septembre 2021, où vous avez 90% de Pashtuns dans une société à nouveau, hein, où, où les Pashtuns n'ont certainement pas cette représentation. Euh, le paradoxe, c'est que les tribunaux talibans, eux, ont permis de substantiver ce, ce discours, ce, ce discours d'un mouvement qui dirait que tous les Afghans sont des Afghans, mais certains Afghans sont plus afghans que d'autres. Hein, de, de permettre à un mouvement qui favorise de manière évidente les, 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 les Pashtuns euh, d'avoir, de, de défendre une vision deux même comme nationaliste, comme étatique, en ayant d'abord de nombreux juges qui étaient tadjik ouzbeks ou turkmènes, donc une vraie insertion euh, des, des minorités ethniques à l'intérieur du mouvement du côté du corps judiciaire. Ne serait-ce que parce que beaucoup de Tadjiks, d'Ouzbeks et de Turkmènes étudient dans les mêmes madrassas euh, 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 du nord du Pakistan. Et les talibans sont, sont d la cohésion du mouvement, l'insertion dans l'encadrement du mouvement. Elle vient justement de ces écoles religieuses, de ces réseaux euh, cléricaux. Hein. Les talibans, c'est fondamentalement un mouvement issu du clergé afghan, du bas clergé afghan. Et donc d'abord, il y a beaucoup de juges issus des minorités. Mais surtout, hein, les talibans ont joué un rôle très très important dans la pénétration des talibans dans le nord du pays, qui est le, le, la, la partie du pays la plus multiethnique, hein, qui a joué un grand rôle dans, dans le fait que des Tadjiks, des Ouzbeks et des Turkmènes ont rejoint les talibans, euh, parce que notamment, euh, ils étaient réputés jugés de manière euh, euh, impartiale et surtout de, sans prendre en compte l'ethnicité. Hein, ce qui a aidé à substantiver ce, ce, cette revendication paradoxale d'un mouvement qui serait national alors même qu'il favorise une des, une des minorités ethniques. Et, et je vous disais le lien avec la monarchie qui, avait, qui, avait, qui faisait la même chose euh, quelque part hein, de dire que tous les Afghans sont afghans mais que certains Afghans sont plus afghans que d'autres. Euh, on le retrouve dans l'endroit où pour la peine les Afghans font une discrimination de les, afghans, les talibans font une discrimination de manière euh, euh, particulièrement flagrante c'est sur la question confessionnelle. À l'inverse euh, la minorité qui se retrouve en permanence euh, 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 discriminée euh, dans le système judiciaire taliban euh, c'est les Hazarachilites. En tant que chiite, d'ailleurs beaucoup plus qu'en tant qu'hazara, c'est le fait qu'on a une justice euh, qui euh, euh, est basée sur une jurisprudence anafite, sunnite, qui est en rupture avec justement euh, les pratiques, le quotidien, les normes revendiquées par euh, euh, les hazara chiites et qui rentre en plus dans tous les stéréotypes qu'ont les. Les Tadjiks, les et les Turkmènes, afghans envers les Hazarachides les qui sont censés être des citoyens de seconde zone. Et les talibans à cet égard-là, ils rentrent dans un mouvement assez fort de volonté de, 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 de remise au bas de la hiérarchie ethnico-confessionnelle des Hazarachides qui ont qui, qui, qui ont profité peut-être encore plus que tous les autres euh, de la guerre pour affirmer leur, leur droit à porter des armes, à défendre des intérêts, à l'éducation, à l'entrée dans l'État. Hein. Les Hazarachites ont, 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 ont beaucoup investi euh, euh, à l'échelle familiale ou collective pour euh, amener les enfants à étudier, à l'école, à l'université, à entrer dans l'État en dépit de discriminations récurrentes, y compris du côté du régime. Et donc on a vu une ascension sociale de cette communauté. Et, et les talibans ici sont un vrai mouvement de les remettre à l'endroit où ils étaient dans la monarchie euh, avant la guerre, hein, puisque dans les années 50-60, les réparations euh, euh, dues à, dans un accident à euh, un, un sunnite et un chiite n'étaient pas les mêmes. Hein. Les, les chiites étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Les talibans à cet égard-là euh, refont d'une manière peut-être encore plus forte euh, cette mise au banc euh, des Hazaras euh, comme des citoyens, oui, mais de seconde zone. Euh, ce, qui, ce qui amène effectivement hein, une perception euh, euh, du côté des hazara chiites, du fait qu'ils n'ont pas de véritable avenir euh, sous les talibans, ou plus exactement que leur avenir est limité. C'est un élément très très important. Hein, S'il y a une population qui, qui elle, n'a jamais euh, euh, rien espéré pour des raisons évidentes des talibans, c'est bien les hazara chiites, là où, où des Tadjiks, des Ouzbeks, des Turkmènes sont rentrés dans, dans, dans le mouvement taliban, se sont battus aux côtés des talibans. Hein. On l'a bien vu, c'est du nord que le système sécuritaire euh, a cédé à la, à la fin des années 2010. Euh, le Hazarajat, euh, la région centrale du pays, elle, est toujours restée profondément anti-taliban. Euh, euh, et jusqu'à aujourd'hui, euh, s'il y a des formes d'accommodement, de délégation au clergé chiite, de la gestion de ces régions-là, à la manière des années 90, euh, les Hazara chiites, euh, 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 quand ils ont la possibilité d'en parler, donc beaucoup plus ce qu'on entend ici que ce qu'on entend en Afghanistan, euh, sont très vocaux pour dire que euh, l'avenir que leur réserve euh, un Afghanistan, sous la direction des, des talibans, un régime taliban, et ils le disaient déjà à l'époque, hein, euh, les Hazarachi avec qui je parlais étaient, étaient, étaient très clairs sur cette question-là, était un avenir complètement bouché, un avenir fait de discrimination euh, quotidienne. Vous expliquez la popularité des talibans auprès d'une certaine partie de la population afghane, entre autres par leur utilisation rigoureuse et stricte du droit, quand le régime au pouvoir jusqu'en août dernier et la coalition internationale présentaient les talibans uniquement en tant que force déstabilisatrice. Plusieurs chercheurs, chercheuses travaillant sur des situations de conflit nous invite à, à nous départir d'une euh, analyse d'une situation sociale euh, entièrement basée sur, qui aurait pour norme l'ordre et la stabilité, euh, pour euh, au contraire mettre au centre des études euh, les conflits et le désordre. Euh, comment vos travaux se situent-ils par rapport à ces initiatives Et est-ce que vos travaux nous invitent à repenser catégoriquement euh, l'ordre, le désordre euh, et la place du droit dans, en, dans la guerre. Oui. Je crois qu'il y a une très grande fertilité à prendre la conflictualité sociale comme point d'entrée. Euh, mais le risque, euh, et l'Afghanistan me paraît un cas idéal typique à cet égard, euh, c'est de, de, de confondre le fait que c'est un excellent point d'entrée pour comprendre les préoccupations des gens et le fait euh, que les gens à qui je parlais moi en Afghanistan avaient une demande d'ordre, avaient une demande d'une forme de prévisibilité. Je, je, je vous disais qu'un conflit armé, une guerre civile, c'est un moment d'incertitude juridique, c'est un moment où, où les gens vivent dans une incertitude au quotidien. Euh, euh, il y a une vraie demande de prévisibilité hein, et moi je le, je le voyais dans, dans les jugements que les personnes faisaient euh, des tribunaux talibans euh, euh, là où, où, où des gens dans les zones rurales euh, qui avaient fait appel aux, tri aux tribunaux talibans ou qui avaient vu euh, des procès se faire devant eux en faisaient l'éloge, déjà ils le faisaient de manière relative hein, comme ce, ce notable euh, de Kandahar dont, 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 dont je vous parlais disait les juges talibans ils ne sont pas bons, ils sont meilleurs que les juges du régime. L'un des éléments qui, qui était souvent souligné, euh, c'était le fait que les, les, les talibans, comme ils jugent euh, de manière beaucoup plus impartiale, comme ils ne sont pas corrompus comme les juges du régime, hein, ce qu'on répétera beaucoup, ce que les gens disaient très souvent en Afghanistan, il fallait payer. Euh, les, 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 les procès ressemblaient souvent à des enchères et ceux qui payaient le plus finissaient par emporter la décision, mais il fallait payer le greffier, il fallait payer le juge en cours d'instance, en cours d'appel, potentiellement à, à la Cour suprême, puis ensuite il fallait payer les policiers, parce que si vous payez le policier, vous évitiez euh, que la décision s'applique. Euh, L'une des choses que soulignaient euh, euh, les gens, c'est à quel point les les, les, la manière dont les, ta les talibans arbitraient les disputes, euh, les conflits civils, euh, euh, offrait de la prévisibilité. Une personne euh, le disait très bien, elle disait les talibans, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Hein, cette image d'une justice dont, dont les gens se sentaient en mesure de juger la, 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 la manière dont elle était appliquée, la manière dont le processus était fait, le fait qu'elle était euh, euh, juste ou injuste, que le juge... Euh, euh, avait ou n'avait pas accepté de, de, de cadeaux, et surtout qu'ensuite elle était appliquée telle qu'elle avait été dite. Ce qui amenait, euh, moi, un de mes grands étonnements dans la, dans la recherche que, 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 que j'ai menée sur les tribunaux talibans, euh, euh, je suis venu euh, avec mon regard euh, d'occidental, avec cette idée que la, la, la brutalité des peines euh, qu'appliquent les juges talibans, qui appliquent les peines les plus dures hein, euh, du droit islamique, euh, la lapidation, même si elle est très rare, mais, mais beaucoup plus fréquente, euh, l'amputation pour vol, par exemple, euh, et, et les juges à, à qui je parlais avaient tout un discours. Moi, je pensais les gêner en leur posant des questions sur, euh, sur les, les, les peines les plus sévères, et au contraire, euh, ils avaient un discours assez articulé sur la nécessité d'une très grande sévérité euh, dans euh, l'application des peines, euh, avec un discours sur les causes de la guerre. Hein, Il ne disait pas à la manière euh, euh, des perspectives géopolitiques, euh, euh, l'Afghanistan, enfin il le disait, mais, mais c'était assez marginal, euh, est pris dans euh, la stratégie, dans, dans la lutte entre le Pakistan et l'Inde, les États-Unis voudraient euh, l'Iran, la Russie, enfin le grand jeu, comme on aime à le dire. Hein, euh, euh, il ne disait pas non plus, euh, à la manière d'un sociologue, moi je vous ferai l'argument que euh, l'Afghanistan c'est un moment de concurrence entre les diplômés de l'université et les diplômés des écoles religieuses, euh, euh, et que quelque part la victoire des talibans c'est la victoire des madrasas. Ça euh, sur les, les diplômés des universités. Ils avaient une vision qu'on retrouve d'ailleurs dans les discours de Mola Omar. Hein, Mola Omar faisait euh, deux discours de politique générale, quelque part euh, aux fêtes religieuses, euh, euh, deux fois par an donc, euh, où il avait le même discours que les juges, hein, ce qui montre bien la, la, la cohésion, euh, le, le partage d'une un, même vision de la guerre, d'une cause individuelle. Euh, si la guerre se perpétuait en Afghanistan, c'est en raison de la déviance morale, euh, de la perte de repères. Euh, quand on laisse des amants s'enfuir sans les punir, quand on laisse euh, euh, un homme spolier son voisin, euh, eh bien, euh, qui vole un oeuf vole un bœuf, euh, on a l'incroyance, la collaboration avec l'envahisseur étranger, euh, l'implosion sociale. Hein. Euh, et donc, et donc, il faut être euh, sans concession. Il faut des peines extrêmement dures euh, pour que les gens euh, reviennent dans le droit chemin. Et ce discours-là a trouvé un écho euh, dans les questions, de, de, dans, les, dans, les, dans, les, dans les disputes parmi les, les justiciables, euh, mais sur un registre complètement différent. Euh, C'est-à-dire que euh, 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 une personne dans, dans un des conflits qui m'a aidé à comprendre cette question-là euh, me racontait comment, dans une lutte autour d'une parcelle forestière, euh, les juges talibans, le juge taliban avait menacé la famille qui avait perdu si elle refusait le jugement. Ça faisait des années euh, que les deux familles s'affrontaient et jouaient des différentes juridictions, hein, dans une logique un peu de market shopping. Euh, typiquement, à chaque fois, en, en, en refusant d'obéir à la décision euh, euh, dès lors qu'ils avaient perdu. Le, le juge qui a fait toute une mise en scène en arrivant avec des dizaines de combattants au, au, au petit matin avait menacé la famille qui ne pas à la décision de brûler. Euh, la maison et de les bannir. Euh, et cette décision a été louée, y compris par la famille qui avait perdu la décision, en disant bah, :« On peut enfin sortir de chez nous sans, sans la Kalachnikov. On n'a plus à avoir peur euh, du voisin. » Et donc, la, la, ce, ce côté, les talibans disent qu'ils font et font ce qu'ils disent, c'est aussi euh, la possibilité d'une prévisibilité dans la vie quotidienne. Il y avait, euh, de manière euh, un peu étonnante, une, une forme de nostalgie euh, dans les zones rurales du régime taliban des années 90, en disant bon, euh, c'était une période où, euh, où euh, la gestion économique était calamiteuse, où euh, on avait, on était plein de privations, mais il y avait une chose, et ça, plein de gens le disaient, il y avait une chose qui était bien, c'était la sécurité. On pouvait se déplacer sur les routes. Une vraie demande. Euh, euh, d'une un, forme étatique, d'une sécurité, d'une prévisibilité de la vie quotidienne. Hein, et, 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 et typiquement dans les moments où les talibans s'avéraient imprévisibles, par exemple dans leur traitement des gens qu'ils suspectaient d'espionnage ou de collaboration, où là, les talibans, les, les, les talibans ont essayé de mettre la prérogative dans les mains des juges, mais en réalité, comme les juges dépendaient des combattants pour faire appliquer la décision, il n'y a pas de police chez les talibans, et bien en pratique, parfois les juges décidaient, parfois les juges ne décidaient pas, les commandants en faisaient un peu à leur guise. Euh, il, était, il arrivait que des gens euh, dénoncent un, quelqu'un comme pro-américain ou lié au régime euh, uniquement pour s'en débarrasser, et, et que les talibans exécutent ou décapitent, puisque l'une des peines était la décapitation. Euh, des gens avaient. Et là, pour la peine, les mêmes interlocuteurs qui faisaient l'éloge de la justice dans les affaires civiles, disons, euh, ou pénales, euh, étaient extrêmement critiques en disant euh, les justes talibans font n'importe quoi, leur violence est inacceptable. Et on a eu toute une série de, de révoltes autour. Euh, une grande partie des révoltes anti taliban dans les années 2000 et au début des années 2010, elles étaient souvent autour d'un moment où les talibans avaient exécuté euh, des personnes qu'ils accusaient d'espionnage ou de collaboration avec le régime. Euh, et justement, là, il y avait une vraie résistance. À cette même coercition. Hein, donc, elle, elle n'était considérée comme source, comme, comme, comme positive par mes interlocuteurs que quand elle était une source de prévisibilité et que quand euh, le, la, la décision leur paraissait euh, euh, venir d'un processus euh, 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 juste, impartial. Vous démontrez que euh, plusieurs préconceptions sur l'Afghanistan, par exemple la place de l'ethnicité dans la politique, euh, l'Afghanistan en tant qu'État faible, vous en parliez, euh, ont été entre autres construits et maintenus par des politiques, par des militaires et aussi par des chercheurs, euh, et que euh, ces préconceptions étaient au cœur de la contradiction de l'intervention internationale. Mmh. Comment mener un travail de terrain dans un milieu sensible, une zone de guerre euh, et comment est-ce que l'entreprise de votre étude de terrain peut contrer ce genre de préconçus dans un terrain si polarisé Oui. Euh, quelque part, l'une des difficultés, euh, c'est que... Enfin, la, la, la raison pour laquelle ces conceptions ont été aussi si dominantes, hein, elles, elles viennent de, de, de la reproduction des, des, des schémas euh, depuis l'époque coloniale. Euh, les gens adoraient, euh, David Kilcullen, un des, un des théoriciens de la contre-insurrection, adorait citer les, les agents coloniaux. Les, les Finstone Papers étaient l'une des marottes britanniques ou américaines. Mais elles venaient aussi. Du fait qu'il euh, existe toute une part de la population afghane euh, qui, elle aussi, euh, met en avant ces discours d'un euh, pays qui ne connaîtrait pas l'État, qui est rétif à l'État, d'un pays qui est fondamentalement tribal, en particulier dans les milieux éduqués, euh, euh, qui beaucoup ont, ont repris à, à leur sauce ces discours-là, euh, euh, y compris dans certains milieux libéraux. Euh, euh, et quelque part, hein, euh, il me semble que dans des contextes comme, comme, de, comme l'Afghanistan, l'une de nos difficultés en tant que chercheur, euh, c'est d'aller chercher les, les, les discours des autres. Hein, il y avait un, un journaliste euh, euh, qui a fait d'ailleurs une thèse, qui, qui est un journaliste et un chercheur en même temps, Anand Gopal, hein, qui en septembre 21 avait fait un article dans le New Yorker où il parlait des autres femmes afghanes, hein, de celles à qui on parle jamais. Euh, non pas euh, ces femmes qui vivent un sort absolument tragique et horrible aujourd'hui euh, dans les villes, euh, qui ont vécu de, des formes limitées et contraintes d'émancipation euh, sous, sous le parapluie, euh, à nouveau très limité, hein, euh, de l'intervention occidentale, euh, mais ces femmes euh, qui vivent dans les zones rurales et qui, elles, euh, 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 rêvait beaucoup du départ de, de l'armée américaine et des armées occidentales, euh, parce qu'elles étaient facteurs d'insécurité, facteurs de combat dans leur, euh, dans leur quotidien, facteurs de, de toutes ces interventions des forces spéciales, des, fra des frappes aériennes, euh, qui, ont pro qui ont exacerbé les, les conflits locaux, qui ont, par la manière dont elles ont été menées, euh, provoqué euh, 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 toute, une, toute une vulnérabilité, provoqué beaucoup de morts. Hein, la, la principale cause d'engagement chez les talibans, comme l'a très bien montré Graham Smith dans les, les micro-videos qu'il avait fait à Kandahar, c'est le fait d'avoir perdu un frère, un oncle, un fils aux mains de l'armée américaine ou des supplétifs afghans de l'armée américaine. Et donc, il y a une responsabilité en tant que chercheur déjà d'aller chercher les autres discours, ceux qui, qui ne sont pas immédiatement accessibles. Moi, je suis arrivé, comme la plupart des chercheurs occidentaux, à Kaboul, dans le milieu libéral, beaucoup de mes, mes, mes premiers interlocuteurs et mes amis... Afghans sont, sont des gens qui appartiennent à ce milieu libéral, euh, euh, qui sont des gens avec qui bah, c'est plus facile aussi euh, d'échanger, de, 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 de parler. Et puis le, le fait d'accéder aux zones sous contrôle taliban exigeait toujours une logistique très longue, très difficile euh, à négocier. Donc en fait, je passais un temps très grand, très long à attendre. Le terrain afghan, c'est d'abord un, un terrain d'attente, un terrain où on attend la possibilité de bouger, la disponibilité des gens, parce qu'on demande aux gens du temps, et donc on s'adapte à leur agenda, mais aussi que les gens soient rassurés, qu'ils puissent vérifier qui vous êtes. Et donc je passais beaucoup de temps à, à, à échanger avec, avec des gens qui, évidemment, avaient une, une vision des, des talibans comme euh, des fanatiques, euh, comme euh, euh, des gens qui, si, si vous parliez aux, aux gens à, à, à Kaboul, euh, et même dans les milieux les, 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 les plus euh, du, du, du centre, hein, les, 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 de, de, de la classe moyenne des, des, des villes secondaires comme Jalalabad ou, 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 ou Mazar, Mazar et Sharif, euh, eh bien, ils avaient une vision des talibans comme un mouvement rural, ce qui est vrai, euh, mais plutôt pecno, avec une forme de mépris social. Hein, euh, euh, un mouvement qui serait sauvage, euh, archaïque, médiéval, enfin tous, les, tous, ces, tous ces adjectifs qu'on utilise as, de manière assez usuelle pour, pour décrire les talibans, mais qui ne nous permettent pas de comprendre comment les talibans euh, ont pu progresser. Euh, euh, si vous voulez, si les talibans progressent euh, euh, tout au long des années 2000 et des années 2010, c'est que quelque part, ils obtenaient le soutien d'une partie de la population. Et pour maintenir la vision des talibans qu'on avait, oubliant par exemple le fait que les talibans... Ont euh, euh, des moyens, grâce aux Madrasaïs euh, du nord du Pakistan, de revendiquer le fait qu'ils sont des juristes et donc d'oublier mais fondamentale cette nature de juriste du mouvement, eh c'est parce qu'on parle à une partie de la population et pas à l'autre. C'est qu'on oublie quelque part une partie de la population qui est plutôt la majorité du pays, hein, parce que dans les, dans, dans les zones rurales et, et, et dans ces néo-ruraux, des zones périurbaines afghanes, les talibans n'étaient étaient pas nécessairement un mouvement populaire. Hein. Les talibans auraient certainement perdu des élections en Afghanistan, mais dans le choix qu'on avait entre l'incertitude que provoquait le régime euh, ou la, la, les formes d'ordre brutales que provoquaient les talibans, et bien de nombreuses personnes. Euh, ont fait euh, le choix de plutôt aller voir euh, les talibans. Il n'est pas un hasard, hein, c'est comme ça que ma recherche a commencé, que des opposants politiques aux talibans, des gens qui, ont, qui, prennent, qui se sont battus contre les talibans, qui ont milité contre les talibans au risque de leur vie, préféraient quand même aller voir un juge taliban qu'un juge du régime. Alors, justement, au niveau de l'étude euh, d'un système juridique euh, en contexte de guerre, euh, quels ont été les défis en termes d'interview des juges et des personnes qui ont utilisé ces tribunaux et comment est-ce que vous y êtes pris pour contextualiser, comprendre en fait ces témoignages qui mmh. vous ont été donnés Alors, tout, 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 la, la manière dont j'ai travaillé, ça a été d'essayer d'accéder euh, d'abord aux, aux zones sous contrôle ta taliban, d'arriver avec des gens euh, qui avaient vu, eu affaire à ces tribunaux, et progressivement d'obtenir euh, la confiance de gens qui avaient euh, des proches, des connaissances au sein du mouvement taliban pour rencontrer des juges. Ça m'a pris un certain temps. Hein. Euh, euh, au début, j'ai commencé quelque part par les marges, par les, 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 le public vivant dans ces zones-là, juste les gens qui sont là, puis des gens qui ont eu affaire au système, au système judiciaire taliban, puis progressivement des militants talibans, puis progressivement des juges. Et quand je faisais des entretiens avec des juges, ma préoccupation première était de, 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 de comprendre leur manière d'envisager leur, leur activité de juge. Donc, tout un questionnement autour de, de, leur, de leur formation, de ce qui faisait, selon eux, leur, leur maîtrise du droit islamique, du type de jurisprudence qu'ils utilisaient, de la manière dont ils l'appliquaient, euh, quels auteurs euh, euh, mobilisaient-ils dans la jurisprudence islamique, quelles étaient les, les références les plus importantes, quelles étaient les, 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 les différentes manières dont ils euh, 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 s'accommodaient des difficultés, quelles étaient les affaires les plus difficiles pour eux, euh, quelle, quelle était leur vision du travail de juge. Euh, toute une série de questions autour de leur perception de leur travail et puis progressivement, quel, quel était leur rapport. Quel était leur rapport euh, 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 au, 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 en allant progressivement vers les endroits où. où, où les, 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 quelle était leur, leur vision d'une. Euh, d'une plaignante, et non pas simplement d'un plaignant, hein, avec des réponses ici qui montraient bien euh, les, les, les biais euh, des juges. Euh, les ju un juge qui m'expliquait par exemple qu'une euh, femme qui, qui, qui fait appel à lui, bah, il a le sentiment qu'elle n'a pas tout essayé, contrairement à un homme ou un autre juge euh, qui me disait euh, qu'il doute de la moralité d'une femme qui porte plainte, hein, même si j'ai rencontré des femmes qui ont réussi à porter plainte auprès... De... Enfin, je n'ai pas rencontré personnellement, j'ai pu faire passer des questionnaires à des femmes qui ont été... Les questionnaires eux-mêmes ont été menés par des femmes. C'est impossible en tant qu'homme euh, de, de, de rencontrer des, des femmes afghanes euh, dans les zones rurales, euh, en tant qu'homme occidental. Euh, euh, mais euh, euh, j'arrivais progressivement au biais. Et alors, euh, pour euh, l'un de, de mes objectifs qui a, qui a fait l'objet, qui a été quelque part une déconvenue, hein, qui a été un échec, j'ai beaucoup espéré j'ai tenté d'organiser ma présence. À des audiences, ce que, à deux reprises, le mouvement taliban avait accepté, et qu'une euh, opération militaire euh, dans la région, dans un cas, et un raid des forces spéciales plus directement dans l'autre, euh, ont, ont amené une annulation de dernière minute. Et, et effectivement, hein, faire une enquête sociologique dans un contexte de conflit armé, c'est accepter euh, que beaucoup des choses qu'on va essayer de faire ne, ne marcheront pas. Euh, et donc, quelque part, ici, hein, moi, je me suis, pour essayer de, de, de comprendre. Euh, ces pratiques-là, de, 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 de voir qu'est-ce qui change d'un juge à l'autre, de voir qu'est-ce qui, au contraire, euh, est là partout. et bien, euh, c'est en, en, en pouvant soit euh, moi poser des questions, soit d'ailleurs faire passer les questionnaires, parce que j'ai aussi pu faire passer des questions à des juges dans différentes provinces du pays pour voir qu'est-ce qui changeait entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Par exemple, hein, l'une des choses euh, qui est ressortie, qui était fascinante sur la, la, les rotations euh, que faisaient les juges, puisqu'il y avait tout un système de rotation chez les juges talibans, ou pour s'assurer qu'ils ne soient pas trop familiers euh, des gens localement, ils avaient tout un discours réflexif dessus, il disait, vu la conflictualité sociale, il est essentiel de ne pas être de ne pas trop bien connaître les gens, de, de ne pas être accessible, il faut être un extérieur, il faut être un, un tiers, euh, une définition de l'impartialité, non pas comme celle qu'on apprend dans les écoles de droit en Europe ou en Amérique du Nord, comme le respect de la procédure, mais comme l'extériorité sociale, comme la neutralité. Euh, eh bien, c'est parce que des juges un peu partout dans le pays me racontaient ces rotations-là que je voyais bien que ce système-là existait à l'échelle de l'ensemble du pays, qu'il n'existait pas, par exemple, l'un des fantasmes de cette guerre, un réseau à Cani qui serait indépendant du reste de l'insurrection, puisque les juges du Sud-Est tournaient. Euh, comme les juges du reste du pays, il euh, y avait bien ici un système, euh, on voyait bien, c'est peut-être la meilleure manière dont on pouvait voir que les talibans n'étaient pas un amalgame de segments tribaux ou de segments sociaux, mais bien un mouvement national organisé, structuré, bureaucratisé, puisqu'il faisait passer ses juges partout. Et donc, quelque part, c'est par une, un travail de, de triangulation, d'itération, pour utiliser les catégories de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, euh, euh, que j'ai pu, en dépit des difficultés que j'avais, de ne pas pouvoir observer une audience, suivre un, 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 un conflit euh, de, tout au long d'une du, procédure judiciaire talibane, reconstituer quelque part de l'extérieur ce système judiciaire en m'appuyant essentiellement au fonctionnement de l'institution. Vous écrivez que euh, les talibans montrent un conservatisme social, donc un ordre moral au cœur duquel réside une domination patriarcale. Donc, ma question concerne donc, la place des femmes, parce qu'on voit que dans les manières de régler des litiges, la femme a un, a un rôle important, dans le sens où parfois c'est par un mariage ou par le don d'une fille euh, d'une famille à l'autre que des arrangements se font pour, pour éviter euh, peut-être la violence, le recours à la violence. Euh, et en même temps, euh, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, il euh, y a des peines extrêmement violentes comme la lapidation, et, euh, dont, les, dont les femmes sont, euh, sont souvent les victimes. Donc, vous écrivez notamment sur ce, sur ce sujet que, euh, que souvent, en fait, pour éviter qu'il y ait un embrasement d'un conflit, euh, parce que les réputations des familles sont en jeu, euh, les victimes lapidées en, sont des boucs émissaires euh, bien commodes. Donc, ma question, c'était justement de comprendre ce, ce rôle des femmes euh, très présent dans, dans, dans ces verdicts et en même temps leur, euh, leur absence, vu qu'elles ont aussi un accès très difficile. Euh, mmh. Au oui. Euh, euh, le, ce qui explique les juges, hein, c'est qu'une femme, dans une, dans, une, dans, une, dans une interprétation de la jurisprudence adafite que font les juges, pour avoir accès aux juges, doit euh, être accompagnée de ce qu'on appelle un mahram, donc euh, une personne avec enfin, littéralement une personne avec qui elles ne peuvent pas se marier, euh, euh, c'est-à-dire un, un père, un fils, un frère, un oncle, euh, et, et que elles, elles peuvent se rendre devant le juge, mais elles doivent venir voilà, avec ce garant quelque part. Euh, et dans les quelques cas de, 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 de femmes qui ont eu euh, accès à la justice talibane, que j'ai pu réunir indirectement, euh, euh, en nombre très réduit malheureusement, parce que c'est très difficile de, de les réunir, mais, mais, mais qui montrent que des femmes peuvent obtenir satisfaction auprès d'un juge taliban, euh, ce qui caractérise toutes ces, tous ces cas, à chaque fois c'est la même chose, euh, c'est qu'un homme de la famille s'est fortement impliqué en faveur de cette femme. C'est-à-dire que ce qui a permis à ces femmes d'arriver jusqu'au juge, de défendre leur, euh, leur affaire. Par exemple, il y a, y a une mère dont le, le, le fils, euh, euh, qui était militaire de l'armée nationale afghane, euh, est mort et euh, qui, essaie, qui a été spolié. Elle parvient parce que. Bah, un membre de sa famille la défend, l'aide, euh, insiste auprès des talibans. Les femmes qui peuvent accéder au juge taliban, c'est parce qu'elles ne sont pas isolées, qu'elles ont un homme qui prend fait et causes pour elles. Hein Le système taliban, dans son fonctionnement, est brutalement patriarcal. Il est brutalement patriarcal parce que il euh, il s'inscrit dans ce discours moral dont, dont, dont je vous parlais, dont un des éléments essentiels, euh, l'une des. Le, je vous disais, les talibans euh, ont, ont l'idée que la manière d'arrêter la guerre civile, c'est de mettre fin à la déviance individuelle. Et ce qui permet de mettre fin à la déviance individuelle, c'est la restauration de l'autorité familiale. Il y a une obsession dans les discours de Mola Omar il y a une obsession dans, dans les discours de mes juges, dans les entretiens, euh, euh, de. Euh, euh, du fait euh, qu'il faut redonner aux pères de famille l'autorité à l'intérieur de la famille en hein, reproduisant ce que la, la sociologue christine delphi appelait euh, l'espace domestique comme un état d'exception la délégation de la violence à l'intérieur de l'espace domestique aux hommes et en particulier aux hommes qui ont l'autorité, aux chefs de famille. Et à cet égard, on comprend très mal les talibans quand on a cette image d'un mouvement qui s'insère en permanence dans la vie privée. L'obsession des talibans, c'est plutôt de, 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 de discipliner la population dans les pratiques publiques. Mais au contraire, dans une logique qui est très proche de forme de sociabilité rurale en Afghanistan, les talibans sont souvent très précautionneux de ne pas rentrer dans l'espace domestique. Une préoccupation qui, qui, qui rencontre des, 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 des mœurs. Euh, où il y, y a vraiment un espace domestique qui est très, très préservé. On ne laisse pas les gens de l'extérieur rentrer comme ça. Il y a toute une organisation de la maison afghane avec un premier salon qui est le salon d'hôtes, euh, littéralement, hein, qui est justement censé permettre d'accueillir des gens sans qu'ils voient euh, la vie intime, sans qu'ils voient euh, euh, les femmes de la famille euh, qui permettent le, fonctionnement, le maintien du fonctionnement quotidien domestique, euh, en même temps qu'on peut recevoir à euh, euh, une des choses moi, qui m'avait beaucoup aidé à comprendre ça. Euh, je parlais avec euh, quelqu'un qui était très pro-régime, très lié au, au, aux milieux libéraux, euh, mais qui habitait en, en zone rurale, euh, et qui, euh, un jour dans une discussion, je lui demandais quelle était la, la pire chose qu'il avait vécue. Euh euh, je suis informel, hein, quelle était la pire chose qu'il avait vécu dans les, dans les opérations de l'armée américaine. J'ai essayé de reconstituer dans, dans cette province la manière dont l'armée américaine avait fonctionné. Et il m'avait donné non pas euh, les frappes de drones qu'il a vues, non pas les, les gens morts dans, 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 son, dans sa vallée, dans, dans, dans les villages des environs, mais. Une histoire qui m'avait beaucoup étonné, il m'avait raconté comment un jour euh, une patrouille américaine avait défoncé la porte de sa maison euh, et euh, sa femme était en train de, 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 de faire à manger. Et il y avait un soldat américain, un jeune homme de 18 ans, euh, euh, qui euh, avait été, euh, comme ils étaient en train de fouiller, bah, il était là, il s'est posé euh, dos contre le mur de la cuisine et il regardait. Et, et, et sa femme essayait de, de tirer euh, euh, son écharpe pour essayer de se dissimuler, euh, de ne pas être vue par ce soldat américain qui, lui, à l'inverse, essayait de voir cette scène qu'il trouvait un peu cocasse, enfin un peu, un peu, un peu étonnante. Hein. Euh, et lui me racontait ça comme la pire humiliation qu'il avait jamais vécue. Je, je vous dis ça parce que quelque part, cette, euh, cette, ce discours euh, de, de, de remettre la société... Euh, euh, sur le droit chemin de redonner aux chefs de famille l'autorité sur les femmes, il était partagé par les hommes euh, d'un certain âge en Afghanistan qui avaient une vision euh, d'une société qui était partie à volo, euh, de jeunes euh, qui n'obéiraient plus à leurs parents, euh, qui n'accepteraient plus les mariages rangés qui étaient la règle dans les campagnes, et d'une nécessité pour remettre la société en ordre, euh, de redonner enfin l'autorité qui manquait euh, euh, à ces pères de famille. Et on a bien vu ce, 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 cette logique de remise en ordre lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Pouvoir. Vous avez une vague de violence dans les villes afghanes, à Herat, à Kaboul, euh, que Human Rights Watch a bien identifié avec toute une série de témoignages, euh, où, où des, des femmes afghanes se sont retrouvées euh, violentées, violées ou tuées, euh, non pas directement par les talibans. Euh, mais par un voisin ou une personne de la famille euh, qui, dans ses sévices euh, physiques ou sexuels, euh, répétait euh, C'est fini maintenant, tu, 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 tu vas t'habiller correctement, tu, tu vas arrêter de, de prétendre que tu peux te permettre tout ce que tu veux, vraiment un discours de remise en ordre, ou que les talibans soutiennent, les talibans ont enfin, typiquement laissé ces pratiques en, euh, se faire en toute impunité, hein, et ils rencontrent ici hein, leur discours de la remise en ordre d'une société dans une logique familiale, elle rencontre euh, euh, toute une partie. De, de la société afghane masculine euh, euh, qui a, et d'un certain âge qui a eu le sentiment d'une perte de pouvoir euh, dans la guerre, hein, une situation qui est assez récurrente mais qui, qui ici s'inscrit vraiment dans un discours euh, de nécessité de redonner au père de famille l'autorité euh, sur le reste de la famille. Donc, vous montrez que les tribunaux talibans euh, ont une, un avantage sur les systèmes judiciaires du gouvernement et des anciens basés sur euh, le rôle de la coercion, donc euh, aussi associé à une, une certaine légitimité islamique euh, des jugements et l'impartialité euh, donc euh, des juges qui rend les, les verdicts euh, prédictibles. Une question qui intéresse particulièrement à la chère Yvonne religion et politique dans le monde contemporain, c'est quand on s'intéresse à l'étude du fait religieux et du fait politique, comment faire la part des choses entre d'une part euh, donc le fait religieux en tant que qui, qui, qui a une part de, de, irréductibilité, pardon, de la foi d'irréductibilité de, de la foi. Donc il y a une part spirituelle dans la religion et il y a bien sûr la part matérielle, économique euh, mm. voilà, que vous décrivez par rapport à l'utilité du coup de ces, de ces tribunaux talibans. Donc ma question c'était comment en fait faire la part des choses euh, et quelle place donner justement à ce côté euh, de la foi dans le fait religieux. Mm. C'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué parce que mes interlocuteurs, qu'ils soient juste talibans ou justiciables, euh, qui ont eu affaire aux juste talibans, eux articulent les deux euh, dans, leur, dans, 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 dans la manière dont ils parlent euh, euh, de, de ces questions-là. À la fois des, de, du droit qui doit s'appliquer en Afghanistan et euh, donc à la fois en, en termes discursifs, en termes de ce qu'ils pensent euh, devoir se faire dans le pays, et à la fois normatif plutôt, et à la fois dans leur expérience. Euh, Typiquement, les, les, les juges talibans articulent, et même c'est une de leurs revendications essentielles, euh, le fait que suivre un droit, un droit islamique, euh, c'est à la fois être un bon croyant, c'est à la fois être un bon musulman, mais c'est aussi être un bon gouvernant, être un bon juge. Euh, les, 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 on retrouve ici euh, chez les juges, de manière assez récurrente dans, 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 dans mes entretiens, euh, tout un discours sur la vocation, le sacerdoce, euh, le, le sentiment de faire son devoir. Euh, euh, un, un juge disait qu'il aurait préféré euh, se battre, mais qu'il était son devoir, son devoir de, de combattants faisant le djihad, de ne pas être avec les armes, mais d'être juge, et que c'était un sacerdoce pour lui. Il, avait, il, il faisait ça en dépit de ses propres désirs. Euh, un autre euh, mélangeait un sentiment de vocation, euh, le sentiment d'être un, quelqu'un qui fait du bien à la société, et en même temps euh, le fait qu'il bah, il, il, il fait des choses bien devant Dieu. Euh, et, et je crois euh, euh, qu'on voit s'articuler ici. Hein, euh, à la fois légitimation politique euh, 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 d'une forme religieuse de gouvernement, hein, parce que ce discours du bien commun, le fait de se présenter en tant que juge comme voulant le bien pour la société, euh, voulant que... Euh, 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 voulant quelque part un bien, qui une, une sorte de discours universel. Euh, Pierre Bourdieu aurait dit un, un intérêt ou désintérêt, euh, c'est-à-dire euh, ce discours qui, qui dit mais moi je ne travaille pas pour mon intérêt personnel de juge, euh, mais à force de dire que moi je suis je travaille pour les autres, et eh bien on, on, on légitime le fait que euh, les seuls à être à même d'être juge, et eh bien c'est ceux qui sont euh, qui sont membres du clergé, ceux qui ont un diplôme religieux et qui en tant que membres du clergé euh, devraient donc gouverner. On voit comment euh, cette articulation, d un, d un, d un, d un, ce, ce discours-là de la vocation, du sacerdoce, du devoir, il a légitimé euh, du point de vue des talibans euh, le fait de concentrer tous les pouvoirs dans les mains du clergé, de produire un, un régime théocratique. En même temps, euh, le, le, il, il nourrit chez ces juges le sentiment euh, d'être du bon côté de la guerre. Euh, donc les deux s'articulent, et on retrouve la même chose chez les justiciables. Euh, quand quand euh, ils m'expliquaient leur, euh, leur sentiment vis-à-vis -vis des tribunaux talibans, une des choses qui revenait euh, de manière régulière, c'est que les tribunaux talibans, ils jugent bien, parce qu'ils jugent de manière impartiale, et aussi parce qu'ils jugent de manière islamique. Hein. Euh, euh, dans, dans plusieurs entretiens, euh, euh, une personne euh, explique qu'on euh, 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 ne peut pas s'opposer aux juges talibans. Euh, parce qu'ils font usage de la coercition, mais aussi parce qu'ils appliquent bien le droit islamique. Et comme ils appliquent bien le droit islamique, on ne s'oppose pas au Coran. Parce qu'on est un bon musulman, être un bon musulman, ça signifie accepter les décisions qui viennent. Euh, et donc on voit bien là à quel point les dynamiques politiques et les dynamiques religieuses, elles ne sont pas en opposition, elles viennent renforcer euh, à la fois une reconnaissance du caractère juste euh, de ces tribunaux, et à la fois, euh, du côté des juges, un discours de légitimité à gouverner, de légitimité à juger, de légitimité à réguler les rapports sociaux. Nous allons maintenant nous tourner vers la situation actuelle vous montrer euh, que les tribunaux euh, talibans sont un élément essentiel dans la progression euh, de l'insurrection des talibans. Le passage de mouvement taliban dans une période d'insurrection euh, 2001 à 2021 à une période de prise de pouvoir post 2021 août 2021 apporte d'importants changements euh, dans les rapports de force et de légitimité entre les talibans et la population civile. En termes de euh, violence, vous montrez que la violence agissait euh, comme quelque part comme garante du, du, du respect des décisions des tribunaux talibans euh, et participait ainsi à, à, à l'utilité perçue de ces, de ces tribunaux. Comment pensez-vous que cette dynamique change ou se maintient euh, dans le contexte actuel politique oui, c'est une question qui est, qui est très délicate parce que euh, je, euh, produire des institutions dans, dans, dans un contexte insurrectionnel euh, où, quelque part, la, la reconnaissance qu'on donne à ces tribunaux, ben, elle, elle, elle dépend des pratiques judiciaires de l'autre camp. C'est très différent que être l'État de manière... Indiscutable en pratique, en tout cas. Il euh, n'y a pas de reconnaissance internationale du, du régime taliban, mais il n'y a pas aujourd'hui en Afghanistan de, de mouvement politique ou militaire capable euh, de, 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 de constituer une opposition qui permettrait de renverser les talibans. Et donc les, les talibans sont au pouvoir de facto euh, ils tiennent l'appareil d'État, euh, et donc ils ont des défis qui sont très différents euh, du type de défis qu'ils avaient en tant que, que mouvement armé. Euh, et donc ça donne aussi une valeur différente à leur violence. Euh, par exemple, une des critiques qu'on m'avait fait de manière récurrente sur les années 90, euh, euh, qu'on entendait beaucoup encore en 2010, 11, 12, 13, euh, c'était ces violences euh, euh, de, de la police euh, religieuse vis-à-vis euh, -vis de tous les gens qui n'allaient pas prier à, à la bonne heure, euh, le sentiment d'un mouvement euh, brutal et tatillon, euh, qui venait ennuyer les gens euh, dans la rue euh, alors que euh, quelque part euh, au lieu de les laisser vivre euh, C'était une des choses hein, qu'on entendait y compris dans des zones rurales euh, pour la peine en, loin de cette distinction ville campagne ici euh, de critiques sur les talibans. Alors oh, on voit bien ici hein, que, que, que la coercition euh, euh, qu'exercent les talibans, elle, elle change de sens dès lors qu'ils ne sont pas euh, simplement un mouvement qui essaie de reproduire de la prévisibilité, qui ne sont pas perçus comme un mouvement qui fait de la prévisibilité dans un contexte d'incertitude, euh, mais qu'ils sont euh, directement l'État. Puis surtout, euh, la population afghane, euh, euh, celle qui était dans les zones sous contrôle taliban, quelque part, elle attendait des talibans euh, des choses spécifiques, euh, euh, comme de la résolution de conflits. Mais toute une partie des services publics était en fait toujours maintenue sous, euh, sous la coupe de, de, du régime. Euh, euh, les talibans quelque part pouvaient se permettre de faire ce qu'ils faisaient le mieux, ce qu'ils qu faisaient à moindre frais. Ils mettaient en place des tribunaux, euh, mais pour ce qui est de l'éducation ou de la santé, ils plantaient un drapeau taliban sur une clinique ou une école dont tous les membres étaient en fait payés euh, par le régime afghan, ou plus, plus réellement, puisque le régime afghan, c'est enfin, encore en, en 2018-19, son budget est à 75% de l'aide internationale par la Banque mondiale ou les pays occidentaux. Or maintenant que les talibans sont au pouvoir. Les gens attendent des talibans pas simplement de mettre en place des tribunaux, mais de mettre en place des écoles, euh, de nourrir une population dont il faut rappeler aujourd'hui que 55% meurent de faim, 95% est en dessous du seuil de pauvreté, euh, d'offrir euh, des services de santé. Et les talibans ne, 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 ne sont pas en mesure de, de produire euh, les services publics demandés dans, dans la société afghane. Et ça donne un sens tout à fait différent à leur pratique, là où ils étaient euh, un élément de prévisibilité dans un contexte d'incertitude. Ils deviennent un régime qui ne répond pas aux demandes sociales de sa population. Ça va donner des formes de, de, de contestation qu'on observe déjà en Afghanistan, mais qui ne peuvent pas se traduire pour le moment en renversement du régime parce que ça n'enlève pas une chose très simple hein. un, un régime impopulaire peut rester au pouvoir très longtemps. On le voit dans de nombreux pays. Hein. Il est le, le le régime de Bachar el-Assad est impopulaire, euh, le, le, la Corée du Nord ne, ne reste pas au pouvoir par la popularité de son dirigeant, hein, comme toute une série d'États. Euh, 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 les talibans peuvent se maintenir au pouvoir en étant impopulaires, en faisant usage de la violence, en, 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 appliquant de, en ayant un État réduit aux fonctions régaliennes et policières, euh, mais euh, ça laisse une population qui vit euh, dans un sentiment de privation euh, et avec un mécontentement social évident. Euh, comment est-ce que l'isolation euh, sur le plan international des talibans et de leur régime aujourd'hui au pouvoir euh, s'affecte sur le plan euh, administratif alors, les, 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 les talibans ont essayé, euh, de toutes les manières dont ils étaient capables, d'obtenir une forme de reconnaissance internationale. Les talibans sont un mouvement qui a un véritable fétichisme de l'État, fétichisme à la fois euh, de, 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 de la forme bureaucratique, du papier à en tête, de la signature, mais aussi de la reconnaissance internationale. Déjà, dans les années 90, on le voyait, mais c'est devenu de plus en plus fort. Ils ont, ils ont pris l'habitude, hein, on le voit, ils sont devenus beaucoup plus capables d'être de, de, dans des arènes internationales, diplomatiques. Et il y a, y, a, y, a, y a une volonté. Est très forte hein, de la part du, du leadership taliban d'obtenir ce qui leur paraît être les apparats de l'État, ils ont raison d'ailleurs, euh, le siège à le, aux Nations Unies, euh, le fait de siéger à l'Administration internationale de l'aviation civile, à l'OMS, euh, euh, le fait d'être reconnu comme l'autorité légale en Afghanistan. Et les talibans, dans ce but-là, ont fait toute une série de mesures, ils se sont auto restreints euh, 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 on n'a pas vu, par exemple, dans les, dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, euh, les, 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 les types de violence qu'on nous servait dans les années 90, dans le stade de Kaboul. Euh, on n'a pas vu de lapidation. On n'a pas vu les, les mesures qu'on voyait pourtant euh, encore pendant la guerre, euh, un mouvement taliban qui quelque part essayait de toutes les manières, de manière explicite et à la fois en pratique, de dire. Si vous nous faites certains gestes, nous ferons certains compromis. Pas tous. Hein, une volonté d'appliquer leur programme, d'avoir une constitution islamique, de ne pas faire d'élection. Euh, mais en même temps, de, de, de faire certains compromis. Euh, des demandes aussi d'obtenir de l'aide sur les questions médicales et d'éducation. Euh, à mesure qu'il est devenu de plus en plus clair ces derniers mois euh, que les pays occidentaux auront une stratégie d'isolement, euh, que euh, par exemple l'argent qui a été euh, l'argent de l'État afghan qui est gelé par la Banque centrale américaine ne reviendra pas aux talibans. Il euh, y avait comme ça 9 milliards de dollars hein, qui appartenaient à la Banque centrale d'Afghanistan, euh, qui ont été euh, euh, distribués pour moitié aux victimes du 11 septembre et pour moitié doivent euh, euh, devenir de l'aide humanitaire, ce qui, ce qui pose quand même des problématiques, hein, parce que dans un pays en famine, quand on décide euh, euh, de donner euh, l'argent euh, aux victimes du 11 septembre, mais de, de ne pas utiliser cet argent dans un pays qui a des besoins alimentaires absolument massifs, hein, l'Afghanistan, c'est aujourd'hui la plus grande famine qui se passe dans le monde, et l'Afghanistan traverse la plus grande famine qu'il ait jamais traversée, il en a tra déjà traversé pas mal. Euh... Eh bien. Euh, euh... Dans ce, dans ce contexte-là, les, les talibans, quelque part, euh, sont de moins en, croient de moins en moins dans la possibilité que les, les pays occidentaux, qui ont la main sur les institutions euh, beaucoup plus que les pays de la région, euh, leur donnent une reconnaissance. Et on, on assiste maintenant à une forme de radicalisation, hein, euh, là où les talibans euh, laissaient... Euh, 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 encore les, la chaîne privée Tolo euh, fonctionnait, euh, là où il promettait euh, que des femmes pourraient continuer à travailler dans les administrations, Et bien là on se retrouve avec des, des, des mesures beaucoup plus autoritaires. Il hein, y a, y a, y a toute, toute une série de militantes féministes qui ont été enlevées, dont on n'a aucune nouvelle depuis euh, quelques semaines. Euh, on a des mesures de plus en plus répressives euh, sur les personnes qui expriment de l'opposition au mouvement, qui à mon avis dénotent dans, dans les temps à venir. Hein, une, un durcissement du régime qui, dans un contexte de crise euh, alimentaire et sociale, euh, va faire usage de la répression pour survivre cette période-là en ne comptant plus, en comptant en tout cas de moins en moins sur la perspective à court terme d'une reconnaissance internationale. Donc, euh, pour revenir sur les pratiques euh, juridiques des talibans, donc on voit que jusqu'à ce qu'ils aient le pouvoir, leurs tribunaux étaient donc itinérants. Il y avait tout un système qu'ils avaient mis en place, pour, comme vous avez montré, pour se déplacer au sein du territoire. Et comment est-ce qu'on peut retrouver ces pratiques juridiques maintenant que les talibans ont pris le pouvoir Donc en se basant sur les connaissances que vous avez, que vous avez accumulées sur ce, projet, sur ce sujet, comment est-ce que, ça, c est, c est, par exemple, ces tribunaux itinérants se retrouvent ou sont complètement changés dans l'idée de maintenant avoir des ministères juridiques sur des bases institutionnelles Oui, il y a deux éléments importants qui se jouent en ce moment. Le premier, c'est que les talibans, un peu à la manière de ce qu'ils avaient fait dans les années 90, mais de manière encore plus forte aujourd'hui, reprennent les institutions telles qu'elles ont été construites par le régime. ils réinstallent les juges dans des tribunaux, dans les, dans les bâtiments des tribunaux. ils reprennent les bâtiments des, des parquets. Ils, ils essayent de reconstruire une administration judiciaire en intégrant à la fois les personnels de l'ancien régime, euh, euh, et des juges euh, talibans. Hein, avec cette idée, euh, euh, on m'a rapporté, euh, euh, par exemple, euh, la manière dont le, 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 le procureur de, de, de Balkh, donc dans le nord du pays, euh, euh, se plaignait qu'il avait d'un côté les anciens du régime qui n'étaient selon lui pas loyaux pas et pas fiables, potentiellement corrompus, mais qui connaissaient les procédures modernes d'un droit qui ne pouvait plus simplement se limiter à un droit islamique appliqué euh, où il n'y avait pas de distinction chez les talibans entre droit civil, droit commercial, euh, euh, et qu'il y avait des besoins de... de, de, de de, de, de codification supérieure qui impliquait des gens qui avaient une maîtrise de ces choses-là, et de l'autre côté, des juges talibans qui sont fiables, qui sont compétents, mais qui ne maîtrisent pas ces procédures-là. Euh, le paradoxe, c'est que s'il euh, y a un, un, des prémices d'une adaptation, d'une construction, construction de ce système judiciaire sur une base euh, encore plus étatique, il y a en même temps, en ce moment, de manière conjoncturelle, euh, c'est une journaliste qui m'a rapporté ça, une, une, une absence des juges dans les tribunaux. Euh, et en fait, quand, quand, elle, quand elle a interrogé les gens sur où sont les juges, on lui a répondu que les juges, pour beaucoup, sont aujourd'hui dans les gouvernorats et les ministères, euh, parce que comme les juges étaient quelque part euh, euh, l'encadrement les, 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 le, le plus compétent, euh, le, plus, le plus fiable du régime, eh bien, euh, là où la priorité hein, était à un moment de construire un système judiciaire dans la guerre, la priorité actuelle du régime taliban est de reconstruire une autre administration. Hein, et ce qu'ils ont de plus proche d'une autre administration, c'est ces juges qui se retrouvent aujourd'hui non pas dans des positions judiciaires, euh, mais au contraire dans des positions administrati administratives, euh, dans, la dans, dans, dans la volonté de reconstruire des, des procédures, de reconstruire un personnel, de reconstruire une administration euh, qui soit fonctionnelle. Ça montre bien à quel point ces juges sont vraiment une colonne vertébrale du mouvement. Donc, depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, vous, comme d'autres chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur l'Afghanistan, vous avez pris position dans les médias par rapport aux efforts d'évacuation qui ont été effectués. Et comment en fait concevez-vous la place du chercheur, la chercheuse qui travaille sur l'Afghanistan dans ce contexte, donc la place du chercheur dans l'espace public oui, euh, on, a, on a, il me semble, une responsabilité très forte parce que par-delà la production d'un savoir, par-delà la production d'une du, du, connaissance euh, euh, de, de, de situation qu'on qu tend à, à, à essentialiser, à, à regarder de manière trop simpliste, euh, on est en position d'obliger de, 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 quelque part les sociétés. Euh, dont nous venons, donc dans mon cas la France ou plus largement les sociétés occidentales, a premièrement accepté leur responsabilité dans ce qui s'est passé en Afghanistan. Je le répète, si les, les talibans ont pris le pouvoir et ont su incarner l'État auprès de la population réelle, c'est d'abord parce que les modalités de l'intervention et le régime qui a été mis en place avec l'argent public euh, des différents pays européens et d'Amérique du Nord ont provoqué euh, une exacerbation des tensions sociales, des conflits, ont donné aux talibans le monopole de l'incarnation de l'État que nous prétendions euh, à, 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 appliquer. Euh, il faut rappeler qu'il euh, y avait une vraie demande de démocratie en Afghanistan, que les gens faisaient la queue devant les bureaux de vote alors même qu'ils étaient menacés par les talibans, avec des attentats suicides se produisaient. Je me rappellerai toujours d'un bureau de vote où, dans l'heure qui a suivi une attaque et le nettoyage des lambeaux de corps. Devant un bureau de vote, il y avait de nouveau des queues de gens qui voulaient euh, participer aux élections. Hein, quand l'élection en 2009, euh, manifestement frauduleuse de, de Karzai, euh, est, est, est concédée par les pays occidentaux et reconnue par les pays occidentaux et par les Nations Unies, il y a eu un vrai sentiment d'indignation chez de nombreux Afghans qui voulaient voter. Euh, la deuxième, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est en lien à la première, c'est que. Comme on a une responsabilité dans cet échec, on a une responsabilité dans les conséquences de cet échec. Et il y a aujourd'hui hein, euh, 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 toute une partie de la population à qui on a, on a promis les possibilités d'une émancipation, à qui qu'on a amené à développer un mode de vie, des compétences, euh, des manières de faire qui n'ont pas la place, qui n'ont plus leur place dans la société que les talibans développent aujourd'hui en Afghanistan, qui sont menacés. Dans cette société-là. Et le comportement des gouvernements occidentaux a été indigné. On a, dans, au moment de l'évacuation, fait le minimum et le strict minimum. On, on, on a bloqué de manière administrative, en France, aux États-Unis, tenter de repousser les Afghans d'un endroit à l'autre. Hein, aujourd'hui, une instance euh, comme la Cour na nationale du droit d'asile euh, en France commence déjà à dire qu'il bah, n'y a plus de guerre en Afghanistan, donc on peut renvoyer des gens. Il hein, y, y a toute une logique où on est aujourd'hui dans une situation à vouloir se laver les mains de ce qui s'est passé en Afghanistan, de notre responsabilité, à se laver les mains du destin euh, de ces centaines de milliers d'Afghans et d'Afghanes euh, pour lesquels on adore faire des discours euh, sur euh, ah, les, dro les, les droits des femmes afghanes, mais quand il s'agit vraiment d'aider ces gens à... à à, avoir, à aller dans le seul endroit où ils peuvent construire une vie, au seul endroit où ils peuvent quelque part prolonger leur lutte, parce que le seul endroit, hein, les Afghans, ils sont dans la situation des Iraniens, les, les Afghans libéraux, urbains, ils sont dans la situation euh, euh, qu'ont vécu beaucoup d'Iraniens après la, la, la révolution de 79, ou beaucoup d'Espagnols après la prise de pouvoir de Franco en 1939 du fait que leur avenir est beaucoup plus en Europe et aux États-Unis qu'il est dans, 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 en, en Iran ou en Espagne ou en Afghanistan pour le cas des Afghans. Et, et, et si, on, si, on, si on regarde les évacuations passées, on a accueilli cinq fois moins de gens que euh, les États-Unis après la guerre du Vietnam. Hein on s'est gargarisé. D'un accueil de nombreuses personnes. En réalité, on a fait de très, très loin un strict minimum. Il me semble qu'il est ici de notre responsabilité de chercheurs euh, de, de rappeler la responsabilité de nos gouvernements, euh, des sociétés occidentales, euh, responsabilité qu'on porte toujours et qui implique la nécessité d'aider des Afghans à arriver jusqu'ici et de les insérer dans nos sociétés, euh, euh, quelque part faisant une, une infime partie de la promesse d'émancipation qu'on avait faite en 2001 et qu'on n'a jamais su respecter. Merci beaucoup Alain Bachko. Merci. Merci à vous pour vos questions.